à leur tête. On parle d'un père, d'un fils, d'un frère. Et il y a également une femme. On l'appelle mère. C'est elle qui sert d'intermédiaire entre l'organe dirigeant et la base. Elle apparaît soudainement devant quelques personnes. Ensuite, ces personnes, a priori anodines, répondent ses messages à travers le monde. Quel est exactement leur champ d'action? Il est réellement très étendu sur les 5 continents. Ils croient que quelqu'un nous a créés tous autant que nous sommes, et que nous ne venons pas du néant, et que nous n'allons pas vers le néant. Et ils croient aussi à une vie après la mort. Imaginez un peu les conséquences si cela s'avérait exact. Infiltrez-vous parmi eux. Gagnez leur confiance et interrogez ceux qui assurent avoir communiqué avec la mère. Remontez la filière jusqu'à elle, et ensuite jusqu'à la tête de l'organisation.